Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Archangélion, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on continue dans la foulée du précédent épisode, et donc, je ne vous présente pas, hein, vous connaissez déjà nos ressources. On va aller directement sur les boosters et non pas sur les decks, et on va faire nos trois derniers Karloff, et après on commencera à acheter. Allez, c'est parti. Ok, on a récupéré un rare, ce qui nous fait un courant, c'est inhabituel, 3 rares, un mythique, et le coffre est ouvert à 35,4%, ce qui veut dire qu'on n'a pas de doublon. On commence avec une carte d'Ymir, contraint à tuer, carte d'Ymir qui arrive au 5ème round, c'est un enchantement aura. Il est équipé d'enchanter créatures, vous contrôlez la créature enchantée a une force et une endurance de base de 1-1, a le contact mortel et est un assassin en plus de ses autres types. D'accord. Ok. Ensuite, alors est-ce qu'il y a une petite phrase? Oui, les gens ont été conditionnés à lancer ces attaques. Nous devons trouver le cerveau derrière tout cela. Alkis Proft. On continue avec Médecin Légiste de l'Agence, carte noire qu'on connaît, qui arrive au 5ème round. On a aussi Traqueuse Griffnote, carte blanche qu'on connaît aussi, et qui arrive au 4ème round. Suivi de Contretemps Soudain, carte bleue qui arrive au 4ème round, c'est un sort d'éphémère. Le propriétaire d'une cible, sort ou permanent non terrain, le met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. Écoute, il n'y a pas de problème. Je veux juste te poser une question. Joker, courant, qui nous fait un courant, c'est inhabituel, 3 rares, un mythique, et le coffre est ouvert à 35,4%. On continue avec Poisson Leurre, carte rouge qui arrive au 2ème round, créature, artefact, indice et poisson, équipé de la célérité, le Poisson Leurre attaque à chaque combat, si possible. Pour 2 mana, sacrifier le poisson leurre, piocher une carte. Il a 2 en force et 2 en défense. Les mécanoptères ne sont qu'une option parmi notre gamme de solutions de surveillance autonome. Kilox. Orang Outan, fléau, dérouage, carte rouge qu'on connaît qui arrive au 3ème round. On va sur la première grosse carte. Ah, théâtre. Tapageur, terrain, marais et montagne, c'est un terrain Rakdos, puisque magie noire et rouge. Le théâtre tapageur arrive sur le champ de bataille engagé. Quand le théâtre tapageur arrive sur le champ de bataille, surveillez 1. Il a alors, pour si on l'engage, on peut avoir un mana rouge ou un mana noir. Ok, bah écoutez, bien. On continue avec ça. Allez, deuxième. Ok, cible pratique. Donc, enchantement aura. C'est une carte bleue rouge qui arrive au premier round. Enchantée créature. Quand la cible pratique arrive sur le champ de bataille, suspectez la créature enchantée. La créature enchantée gagne plus 1 plus 1. Pour 3 manas, dont un rouge, renvoyez la cible pratique depuis votre cimetière dans votre main. Oh, c'est pas mal. Choc, carte rouge qui arrive au premier round et qu'on connaît. Suivi de Assaillant des Ruelles, carte noire cette fois-ci qu'on connaît. Et qui arrive au 3ème round.
Lieu du crime, donc terrain, artefact, indice. Le lieu du crime arrive sur le champ de bataille engagé. Si on l'engage, on met un mana. C'est un terrain donc incolore. Et si on l'engage, engagez une créature dégagée que vous contrôlez. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Et sinon, pour deux manas, sacrifiez le lieu du crime, piochez une carte. Ok. Confiscation cérébrale, carte noire qui arrive au troisième round, c'est un rituel, choisissez l'un. Premièrement, un adversaire ciblé se défausse de deux cartes. Deuxièmement, un adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte. Non-terrain, ce joueur se défausse de cette carte. Ok, c'est des cartes défausses. Pour les decks défausses, Farfadet. Anticrime, carte bleue qui arrive au troisième round, créature, peuple fée et détective. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez rassembler des preuves 6. Il est équipé de vol. Quand le farfadet anticrime arrive sur le champ de bataille, engagez une créature ciblée. Si vous avez rassemblé des preuves, mettez un marqueur étourdissement sur elle. De renforcer 2 en défense. J'ai ma voix qui est en train de partir. Arrivée propice, carte blanche qu'on connaît qui arrive au deuxième round. Tessa, oligarque opulent, carte Orzhov, donc magie blanche et noire, qui arrive au troisième round, créature légendaire humain et conseiller. Elle est équipée du contact mortel. Au début de votre étape de fin, enquêtez pour chaque adversaire qui a perdu des points de vie ce tour-ci. À chaque fois qu'un indice que vous contrôliez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, créez un jeton de créature 1-1 blanche-noire. Esprit avec vol, cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Ouh, pas mal! 2 en force et 3 en défense. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Pour le Orzhov, elle pourrait être bien. Mais elle rentre pas dans la logique de ma ritournelle, donc. Qu'un coup de veto derrière et puis on envoie tout quoi. À voir. À voir. Dernier. Allez. Et après on monte tout. Alors, débilitation de l'âme, carte noire qui arrive au quatrième round, c'est un enchantement. Il est équipé du flash. Quand la débilitation de l'âme arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée gagne. Moins 4, moins 4, jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'au moins une carte de créature quitte votre cimetière, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Ok. Petite phrase, le plan de Judith était près d'être mené à bien. Elle n'allait pas laisser Agrus se mettre en travers de son chemin. Traqueuse Griffnaut, carte blanche qu'on connaît qui arrive au quatrième round. Pareil, Investigateur Champion, carte bleue qui arrive au sixième round et qu'on connaît. Il suivi de Équipeur de l'agence. Carte bleue qui arrive au sixième round. C'est une créature sphinx et détective. Ah, c'est lui qui est équipé de la casquette. Équipé du vol. Quand l'équipeur de l'agence arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre cimetière, votre main ou votre bibliothèque, une carte appelée loupe et ou une carte appelée casquette de cogitation et les mettre sur le champ de bataille. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez 4 en force, 3 en défense. Est-ce qu'il y avait une petite phrase? Non.
on continue avec inspecteur de projecteur. Carte bleue qui arrive au troisième round, créature humain et détective. À chaque fois que l'inspecteur de projecteur et qu'un autre détective arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, et à chaque fois que le détective que vous contrôlez est retourné face visible, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. 3 en force, 2 en défense. Affichez les images de l'altercation d'hier et agrandissez-les. Ok. Fanfaron des éboulis. Carte rouge qu'on connaît qui arrive au cinquième round. Choisissez votre poison. Carte verte qui arrive au premier round. C'est un sort de rituel. Choisissez l'un. Chaque adversaire sacrifie un artefact. Ouf. Chaque adversaire sacrifie un enchantement ou chaque adversaire sacrifie une créature avec le vol. Petite phrase, une toxine fiable et polyvalente très pratique pour économiser de l'espace sur la ceinture. On continue avec analyser le pollen, carte verte qui arrive au premier round et qu'on connaît. Ok, bah voilà, on en a terminé avec cette session. Reste d'autres cartes que je vous ferai un peu plus tard, certainement. Ouais, on va d'abord se concentrer sur Karloff. Alors, on en est où? On doit être à 38, un truc comme ça, non? 38. Donc c'est maintenant que ça passe de 4 en 4. Donc la prochaine fois, on sera 42... On devrait arriver à 50 la prochaine fois, avec les 3 émissions. Ok, ok. Bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc, 0 en mythique, 17 en rare, 34 en inhabituel, 55 en courant. C'est ok. Allez, je vous laisse. Je vais aller monter les épisodes que je viens de tourner. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien de cette vie. Profitez bien de vos proches. Allez, bye bye tout le monde. Salut.